Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel autour de la décoration de notre table des fêtes. Et je pense que vous l'aurez compris, on est donc sur un étui pour les couverts, donc qui se présente comme ceci. Donc les couverts, je vous l'accorde, sont pas très adaptés. Donc ce ne sont pas ceux que je choisirais donc pour ma table, mais j'avais que cela donc sous la main pour vous montrer donc notre étui. Et donc quand on retire, hop, voilà, et il est donc resplendissant. On a un joli flocon, on a le joli ruban comme ceci, et donc je l'ai fait coordonner donc à notre porte-nom donc de la semaine dernière. Donc lorsqu'on pose donc l'étui à couvert et le porte-nom, on est dans les mêmes coloris, et ce sera comme ça aussi donc pour nos autres décorations de table. Mais donc pour le moment, on est coordonné donc à notre rond de serviette. Pour réaliser donc cet étui à couvert, on a besoin des poinçons étiquettes pour célébrer. Donc c'est déjà ceux qu'on a utilisés donc pour le porte-nom, et nous servirons aussi donc pour le reste de la décoration. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça au fil du temps donc sur YouTube. Ensuite, on a besoin aussi donc des poinçons pleins de flocons. On a besoin du flocon qui est ici, et j'ai oublié de préciser, mais on prend le troisième. Et on a besoin aussi donc du plioir à gaufrage neige hivernale. Donc c'est celui qu'on a utilisé donc dans la carte pour carte cadeau, que je vous remets ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez cliquer dans le petit i. On a besoin aussi d'un ruban. Donc là, comme je pars donc sur l'étui à couvert qui ira donc avec mon porte-nom de la semaine dernière, donc je vais partir sur une base donc pétale rose sur donc champagne. Donc là, celui qui se rapproche le plus, ça va être celui-ci, qui est assez fin et qui est un petit peu presque cuivre. Et pour le côté resplendissant donc de notre étui, on va utiliser la peinture chatoyante, je crois, couleur champagne, que l'on va diluer donc dans de l'alcool, dans un petit dans un petit chip-chip comme ça. Et je vous montrerai un petit peu la dose qu'il faut donc au niveau là à l'intérieur, pour faire donc quelque chose qui soit comme pour celui-ci. Donc il nous faut un morceau pétale rose dans lequel on peut découper donc deux fois cette découpe, et il nous faut donc un morceau de papier blanc dans lequel on peut donc découper notre flocon. Il nous faut aussi donc des petits strass ou des petits bijoux. Donc moi j'ai choisi les mêmes que la semaine dernière, donc les bijoux classiques cristal du Rhin champagne. Et donc pour commencer, je vais venir découper donc deux fois mon morceau ici et mon petit flocon. Maintenant que j'ai mes trois morceaux, donc je peux mettre de côté donc mon flocon et une des deux étiquettes, et je vais venir couper donc l'une d'elles donc qui va faire l'ouverture. Donc je prends ma découpe que je viens placer bien droite ici en bas. Et le bout donc de mon étiquette, je veux qu'il soit donc sur la ligne qui est ici, qui correspond à 1 pouce 1 quart, donc plus ou moins 3,1, 3,2, et je viens couper. Donc voilà. Ce que j'obtiens, c'est exactement ce que je veux. Je vais pouvoir du coup perforer donc mon ouverture qui permet de prendre les couverts plus facilement. Donc pour ça, j'utilise donc cette perforatrice. Hop. Que je vais venir placer donc au centre ici. Une fois que je pense que je suis bien au centre, je me mets correctement ici. Donc mon repère, moi, c'est ici les deux petits
Voilà, et là, une fois que je me sens bien, hop, je perfore et j'ai obtenu donc la petite encoche. Alors maintenant que j'ai ceci, je peux reprendre mon deuxième morceau et je vais venir les passer donc dans mon plioir donc pour embosser. Et donc hop, je vais le placer comme ceci, donc mon premier à l'intérieur. Hop, je referme, je passe dans la machine et je viendrai passer aussi celui-ci. Voilà ce que ça donne. Ce plioir, il est vraiment magnifique. Je l'adore. Donc maintenant, on va passer donc à la peinture donc chatoyante. Donc pour commencer, je vais venir donc la secouer. Je prends donc hop ceci que je viens ouvrir. Je viens ouvrir donc ma peinture. Donc si vous n'êtes pas très très à l'aise, faites ça au-dessus d'un évier ou de quelque chose dans le genre. Et là, je vais venir donc hop en mettre un petit peu donc comme ceci. N'a pas besoin d'énormément, donc là j'en ai largement assez. Hop, je la referme bien et je vais venir ajouter donc de l'alcool et là je vais pouvoir le remplir donc mon récipient. L'alcool, vous voyez, c'est de l'alcool à 70, l'alcool que j'avais donc dans ma trousse de secours. Donc là, vous voyez, j'ai rempli jusque-là, je viens refermer donc. Hop. Et là, je n'hésite pas, je peux venir donc bien mélanger, parce que là, toute ma peinture est au fond, et je veux qu'elle soit partout, donc je mélange bien. Donc une fois que c'est bien mélangé, je peux venir donc pulvériser sur mon papier. Et le fait qu'il y ait donc de l'alcool, ça va sécher très rapidement. Donc je m'éloigne un petit peu de mon papier et je viens pulvériser. Et vous voyez, je pense que vous le voyez déjà, mais c'est déjà resplendissant, donc la partie que j'ai faite. Une fois que c'est pulvérisé, j'attends un tout petit peu que ça sèche, mais vous allez voir, c'est vraiment extrêmement rapide. Je laisse sécher un petit peu donc naturellement et je reviens vers vous dès que c'est sec. Alors maintenant que c'est presque sec, je vais pouvoir passer donc du Wink of Stella donc sur tout mon flocon pour lui donner à lui aussi cet effet donc resplendissant sans mettre du coup de la peinture chatoyante dessus. Ce que ça donne sur mon flocon, je crois que vous vous rendez pas trop trop compte là, s'il est un petit peu, voilà, on a de jolis reflets dessus. Et donc mon papier, ça y est, il est sec et il brille vraiment de mille feux. Du coup, je peux venir donc assembler. Pour ça, je vais venir mettre donc de l'adhésif double face donc ici sur les trois côtés de mon morceau ici et je vais venir le poser donc au-dessus de celui-ci. Voilà ce que ça donne. J'ai déjà donc ma pochette pour mes couverts. Je vais pouvoir du coup maintenant coller mon flocon comme ceci, mais moi je préfère donc nouer mon ruban avant. C'est tout simple, hein. Je passe mon ruban donc à l'arrière de ma pochette. Hop. Je le coince donc dans les petits ici et en face pareil et je fais une jolie rosette.
lorsque votre nœud vous plaît, vous pouvez couper donc les excédents. Et moi, je vais aider un petit peu mon ruban donc à être dans le sens que je souhaite. Donc parce que là, faut l'avouer, pas très joli. Donc moi, je vais lui mettre des mini points de colle. Donc un mini point de colle ici en dessous et un petit mini point de colle aussi ici sous cette branche pour la tenir donc bien comme je le souhaite. Voilà ce que ça donne avec mon ruban donc maintenu comme je le souhaite. Je peux venir maintenant donc coller mon flocon comme ceci. Pour ça, je prends juste un mini point de colle que je viens poser donc au centre, puisque de toute façon, je vais mettre un petit cristal du rein donc au milieu de mon flocon. On ne verra pas donc mon mini point de colle dépasser. Voilà, mon étui à couvert est terminé. Je n'hésite pas à lui donner sa forme donc pour aider les couverts à rentrer à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Alors que ce soit en bleu ou en rose, j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique et ça ira parfaitement du coup avec la décoration que j'ai prévue donc pour ma table. Donc comme je vous disais en début de vidéo, ce sont pas les couverts que je vais choisir donc pour mes tables de fête, donc ne vous fiez pas aux couverts. Et voilà du coup les deux versions l'une à côté de l'autre, donc la version mystérieuse brume qui elle aussi brille de mille feux et la version pétale rose. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve dimanche pour notre prochaine vidéo. Et si ce sont donc les décorations de table de fête qui vous plaisent, rendez-vous mercredi pour une prochaine décoration. À bientôt.